Et donc, ça a été une série créée par la créatrice d'Engrenage. Oui, Anne Landois. Et vous, vous avez déjà fait plusieurs séries. Quand on vous a proposé un flic, au début, vous avez dit « Oh !» Et quoi, il paraît que vous avez lu les 6 épisodes d'un coup. Ah bah oui, c'est prenant. C'est prenant, c'est très bien écrit. Et puis, j'ai trouvé ça différent de ce que j'avais fait avant. Il y avait un aspect beaucoup plus psychologique, elle a des problèmes, elle est un peu ravagée. Ah, elle est un peu ravagée, ouais, on peut le dire. Ouais. Elle a des problèmes de la petite enfance. Elle est ravagée, mais ce n'est pas la seule. Oui, ils sont tous ravagés. On est tous ravagés. Ouais. On a tous des choses à régler. Et du coup, c'est sympa d'aller vers un côté beaucoup plus humain, beaucoup plus psychologique. Les enquêtes sont là, bien sûr, mais j'ai presque l'impression... En plus, ça fait peur, c'est des enfants qui disparaissent, des petites filles et tout ça. Ouais, c'est triste, plus ouais. Que ça ne fait pas peur. Ah, si, moi, j'ai peur. Vous, oui, moi, je suis très sensible. Alors, il y a des comédiens formidables dans la série, ouais. Olivier Marchal, Laurent ouais. Deutsch. Vous êtes très bien entendu avec les deux. Ah, je me suis très bien entendue avec tout le monde. Mais vous entendez bien avec tout le monde en général, Sophia Issaïdi. Bah, ça se passe plutôt bien, ouais. Ouais, vous êtes easygoing. Ouais, j'ai l'impression, j'espère en tout cas. Ouais. J'espère. Et donc là, Olivier Marchal, c'était une belle rencontre. Olivier Marchal, extraordinaire. Vraiment, c'est moi, je le connaissais pas. J'ai cru rencontrer un ours, et d'un coup, je rencontre une merveille de sensibilité. C'est une peluche. Mais une vraie. Hein. Et douce le torse velu. Calmez-vous. Non, c'est vraiment une très très belle rencontre. Comme on n'en fait pas beaucoup. Oui, mais la dernière fois, vous aviez tourné avec Marc Lavoine, et pareil, c'était une très belle rencontre aussi. Mais faut croire que j'ai de la chance. Non, mais c'est vrai, mais Marc Lavoine, je le connaissais depuis très très longtemps. On se connaissait de la musique, du monde de la musique, mais Olivier, je l'adorais sans le connaître. Et je m'étais fait moi aussi une image. J'aimais l'acteur, le réalisateur, mais je ne connaissais pas du tout l'homme. Et ma rencontre, c'est avec l'homme, vraiment. Et Laurent Deutsch, vous avez beaucoup rigolé. Ah, Laurent Deutsch, qu'est-ce qu'on a rigolé. Ah, mais bon. Laurent sont très drôles, généralement. Hein. il essaie de se caser par des touches discrètes. Non, mais on a vraiment beaucoup ri. On en avait besoin parce que c'était un tournage assez difficile. Oui, parce que c'est un tournage qui a commencé avant le Covid, c'est ça. Et après, vous êtes arrêté. Mm. Sauf que l'action se passait en plein hiver. Et du coup, vous avez repris en plein été. Mm. Donc vous aviez des habits d'hiver en plein été, et vous avez eu très très chaud. Ah, on a eu très très chaud. On était en sauna quotidien.